المنتخب الوطني لكرة اليد رجال خاض أول مبارياته أمام المنتخب النيجيري أين تفوق بالأداء والنتيجة وهي المباراة التي ميزها حضور جماهيري كبير ما منح الخضر دفعا إيجابيا أشبال الناخب الوطني رضا زكيلي دخلوا مباشرة في المباراة حيث أمطروا شباك المنتخب النيجيري بعديد الأهداف اللقاء عرف تألق اللاعبين خميني ورحيم عبد القادر اللذان وقع أغلب أهداف المباراة وبالرغم من تواضع مستوى الفريق النيجيري إلا أن المنتخب الوطني قدم مجهودا طيبا جدا لينتهي الشوط الأول بتفوق الخضر بتسعة عشر هدفا مقابل ثمانية أهداف الشوط الثاني سار على شكلة سابقه وانتهى لصالح الخضر بعد تألق رفاق أساس بلطيف Les joueurs ont exprimé leur joie et à la de Comme j'expliquais, c'est toujours difficile euh, d'entrer de dans une compétition. C'était notre premier match. Ça s'est très bien passé. Voilà, c'était, je pense, l'équipe peut-être la plus faible du groupe. Après, maintenant, on les a pris très au sérieux, en les respectant d'entrée. Ça nous a permis de, de, de faire un écart et de, de gérer l'ensemble du groupe pour ce premier match.

جمهور يعني ما شاء الله بربي ان شاء الله يكمل لساننا حتى حتى لا فينال باذن الله اون باسي لا فيكتوار هذه البابو بون بسم الله الرحمن الرحيم كما يقول لك مبروك علينا الفوز ونود الفوز هذا الجمهور الجزائري وما يخفلك ان المقابله اللي تكون في منافسه المقابله الاولى هي اصعب مقابلات في المنافسه سينا ندخلوا في المقابله مهما بكل قدرة تاعنا وان شاء الله كما يقول لك سينا احنا نسهلوا المقابله على رواحنا وان شاء الله ربي يوفقنا في المقابلات الجايه

Ça nous fait du bien de rentrer dans la compétition. Je pense que ça a libéré pas mal de, pas mal de joueurs, moi-même. Donc voilà, ça fait du bien de jouer devant notre public. Il y avait beaucoup de monde dans la salle. Ça, ça fait quelque chose, ça fait vraiment quelque chose. Ah, C'est quelque chose de très très fort. Moi qui habite en France, ça fait des années que je rêve devant, de jouer devant, devant ce public. Aujourd'hui, oui, ça m'a. Dès national, il y avait des frissons, il y avait de l'émotion. Donc euh, voilà, maintenant on prendra les matchs après match et le public sera présent, j'espère, au rendez-vous. Ben voilà, on est rentré dans la compétition. Ça fait du bien. Euh, ça fait quasiment plus d'un plus mois qu'on est en train de se préparer pour ça. Là, on est rentré dans la compétition. Ça fait plaisir. En plus, avec un beau match. Maintenant, pff, demain il y a un nouveau match. donc On ne peut pas se satisfaire. Euh, on est déjà dans le match de demain. Donc voilà ouais c'est sûr, c'est pas bon, un peu stressé, c'est un grand mot. Mais bon, ils appréhendaient, on va dire, euh, la, raconte, la, 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 la rencontre parce que c'était euh, à Hacha. Maintenant, on a vu le public, on s'est mis dans le bain de l'échauffement et euh, ça nous a fait du bien. Et euh, avec un public comme ça, on... On ne peut que être poussé. Le deuxième match, ouais, le deuxième match euh, ça va être un autre match, euh, je pense, plus costaud déjà, avec une équipe à prendre plus au sérieux. Maintenant, euh, maintenant à nous d'être concernés et concentrés, et Inch'Allah, si on, si on fait un bon match. Euh. Là, je les embrasse tous d'être venus aussi nombreux. Ça m'a fait super plaisir de les voir autant nombreux dans les tribunes. Ils nous ont poussé euh, de la première à la dernière minute et, et franchement, il n'y a vraiment rien à dire.

وهذا اللي سمح لنا باش ناخذوا الفارق والحمد لله ان شاء الله احنا مباراة هذه نخافوا نخافوا خاصة الاصابات الحمد لله ما كانش اصابات الا يمكن عبد الرحيم بن ان شاء الله يعني ما تكونش اصابة خطيرة لانه هو عنصر اساسي في الفريق يعني كل عناصر اساسية لكن خاصة هو اشول والحمد لله دوك المباراة الجاية راح تكون اقوى من هذه المباريات وحنا نعملوا كل شيء باش نوصلوا للهدف ديالنا ان شاء الله باش نكونوا ابطال افريقيا ان شاء الله الجمهور الجزائري كان يعني وفى وفى العهد ديالو انا لعبت بطوله افريقيا 2000 هنا في الجزائر كان جمهور غافل جمهور يعني متميز لكن ما كنتش ننتظر اول مباراه يكون جمهور هكذا الحمد لله شفتوا يعني يعني الحمد لله اللي مازال الناس تبع كورتيه يعني في الجزائر ونوعدوهم ان شاء الله باش إحنا ما بأخذوش من جهود دينا من مجهود ديالنا مجهودات ديالنا في الميدان Je vais vous dire une chose. Sincèrement, quand on est rentré sur le terrain pour s'échauffer, c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'avais la chair de poule. Sincèrement, Philippe National pendant l'hymne national, c'était quelque chose. Euh, je crois que je n'ai jamais vu que ça, Félim National. Carrément, je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis en équipe nationale et que j'ai les larmes aux yeux quand j'entends l'équipe National avec tout le public qui était derrière. C'était quelque chose d'exceptionnel. Oh, Alhamdoulilah, l'essentiel c'était qu'on euh, qu se fasse plaisir à son match, qu'on joue, qu'on joue, qu'il qu n'y a pas de blessure, personne s'est blessé. Donc euh, c'est bien, on se... On est, on est content, Inch'Allah. Ouais, Prochain match, ça va être autre chose. Parce que le Congo, ils ont battu le RDC. Et on sait que le RDC, ils avaient des joueurs étrangers qui voulaient en France. Donc, euh, il, faut, il, faut bien, il faut bien se préparer. Il faut bien préparer ce match-là. Tous, tous les matchs sont difficiles. Il ne faut pas parler des équipes qui euh, disons comme que ça s'appelle Nigeria ou le RDC ou le Congo. Toutes les équipes sont difficiles. C'est à nous maintenant de rendre euh, facile les matchs. Inch'Allah, on va essayer de rentrer dans la même, euh, avec la même volonté euh, qu'aujourd'hui. Voilà, je passe à un bonjour à la famille. Hein. بونجور 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 يو الوطني رضا زكيلي وفي رده زجيلي على سؤال لقناه الهوغار حول اداء اللاعبين في هذا اللقاء صرح بما يلي ان شاء الله ان شاء الله ما تكون عنده حتى حاجه ان شاء الله on va attendre et j'ai essayé de faire un groupe et là ça m'a permis aujourd'hui surtout en deuxième étant, de mener des buts d'écart n'était pas notre objectif de gagner plus mais le plus important c'est d'être la cohésion surtout entre les joueurs locaux et les joueurs qui jouent en France. السلام عليكم هذه اول مقابله لنا في قاعه حرشا كاين اللي جوار اللي ما لعبوش بالك جامي لعبوا في هذه القاعه وخصوصا كي تكون مع مرا وكان لقاء يعني دخلنا بقوه ما حسيناش باللي لي جوار كانوا يعني يعني اول مره ديالهم في في القاعه ما خلانا نزيدوا يعني الحماس اللي جوا ما خلاهم يعني يزيدوا اكسبريميو اللعب تاعهم في التيران والحمد لله